Salut Twitch! Alors Magic, le lotus bleu, le lotus noir, haha! Et surtout, abonne-toi! Et laisse un commentaire, mais sympa! Il y a un morceau de cacahuète dans les dents. J'ai mangé un mélange, ce qu'ils appellent le mélange étudiant. C'est des amandes, des noisettes et des raisins secs. Ben, c'est très bon, sachez-le. Tout de suite du Magic et regardez-moi ça! Regardez-moi cette dinguerie qu'on m'a envoyée! 12 boosters collector! Donc de Mornebrune, la maison de l'horreur. Donc ça, 12 boosters, c'est l'équivalent d'un display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il y en a 12, totalement 12. Et j'ai également regardé ce Nightmare Bundle, qui est en forme de vieille télévision avec un effet lenticulaire, hein, voilà, avec le logo normalement. Voilà, c'est ça, Duskmourn. Ensuite, il y a cette fille là dans la télé qui rappelle, bien sûr... pas du tout The Ring. Si, The Ring, c'est ça. Je ne sais plus, je crois. Et cette espèce de spectre également. Donc voilà. Voilà, voilà. On a déjà ouvert quelques boosters comme ça. Ne jette pas la boîte. Non, a priori, c'est pas prévu. Hein. A priori, c'est pas prévu. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Je peux vous montrer un petit peu ce qu'on avait eu déjà la semaine dernière. Parce qu'on en avait déjà ouvert... Hop, alors, ça c'était toutes les cartes rares que j'avais eues. Ah oui, il y a des foils parce que... Oui, il y a une mythique. Tiens, je ne l'ai pas slivée la mythique là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je crois que les cartes qui étaient sympas, les borderless et tout, c'était ça. Il me semble... Après, est-ce que c'est une boîte qui est en vente? Je sais pas du tout. Alors attends, parce que là, il y a des terrains. C'est un peu le bordel. Ça... On avait déjà eu pas mal de cartes intéressantes, je trouve. Ok, là, il y a du terrain. Et là, il y a du terrain. Donc ça, déjà, c'est les terrains spéciaux. C'est Mornebrune, ouais, tout à fait, ouais. C'est, parce qu'en fait c'est Duskmourn, donc c'est la version anglaise, mais oui, c'est bel et bien la même chose. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait que je mette les rares. Attendez, je trie un petit peu tout ça, là. Toc. Boutique partenaire et anglais seulement. Ah ouais, ok. Hop. Le framing spécial, là, ça. Hop. Et on a eu quelques cartes illustrations aussi qui font bien flipper d'ailleurs. Bien flippette. Voilà. Mais attends, parce que là, il y a du classique. Ça, c'est une rare classique, donc ça n'a pas à être là. Laissez-moi trier mes trucs. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est toutes les rares et mythiques qui sont borderless. Ou full art, ça c'est une full art par exemple. Ah, celle-là, elle va là. Je connais pas les noms exacts des framings qu'ils ont fait pour cette extension. Ok. Ah, celles qui sont marrantes, c'est celle-là, là. Vous voyez, avec cet effet vieux poste de télévision. Et on en avait déjà eu pas mal des comme ça. Ça permet de revoir un petit peu. Je sais pas si vous aviez vu mon live de la dernière fois. Live qui est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Mais je n'ai même pas besoin de vous le dire parce que vous êtes toutes et tous abonnés. Peut-être pas. Ouais, c'est vraiment ces trois-là qui sont vraiment cool. Surtout celle-là, là, avec le spectre qui est holographique. Kona, bestiole de sauvetage. J'adore cette carte. Très, très belle carte. Shinji. Et puis on avait également celle-ci. Ah ouais, celle-là, c'était la folie. Ah, il y a des belles choses. Hein.
fracture foil. Bah non, alors fracture foil, j'en ai pas trouvé évidemment, parce que je sais plus qui me disait la semaine dernière que le taux de drop, mais c'est n'importe quoi. Mais genre vraiment, je crois que c'est n'importe quoi. C'est pas une histoire, genre c'est un booster collector sur 100, je crois. C'est en gros, tu peux acheter 10 displays collector booster et t'es pas sûr d'en trouver une. Je crois que c'est débilos. Honnêtement, débilos. Allez, vas-y, on va s'en ouvrir quelques-uns d'ailleurs. Pire que manga One Piece. Bah, a priori, pire, ouais. Ouais, ouais, en plus, c'est ça, quoi. C'est abyssal le taux drop, mais les cartes sont belles. Ah ouais, bah putain, j'espère au moins qu'elles sont belles, ouais. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Si jamais j'en ai une, vous ferez OMG dans le chat. Je compte sur vous. Allez, on commence avec ce double token. Et c'est parti. Attends, bah du coup, le truc ultra rare, je peux le virer. Bon, il y en a qui collectionnent un peu cette extension ou pas du tout? On commence avec du full foil sur des communes peu communes. Classique. Et une fois à la moitié, on va commencer à avoir voilà, un terrain alternatif. Pour jouer seulement. Ok, je joue sur Arena, mais c'est tout, les alternatives altes. Sont super, ouais. Je sais pas si j'en ai vraiment eu des altes pour l'instant. Contrat démoniaque, c'est joli ça, dis donc. Hein. Oh, Marina Vendrell. J'aime beaucoup ces cartes-là, là, avec un truc devant. Là, ça rappelle le papillon du silence des agneaux. Oh, c'est très joli ça. Aurée de Cimeronce. Fureteur de couloir silencieux. Ça, c'est de la full art foil. Très, très, très cool. Et bah, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Je vais mettre ça comme ça. Non, pas les deux années à la fac où je passais mon temps à y jouer. Plutôt qu'aller en TD. Pas l'occasion de jouer depuis. Ah ouais, trop marrant. Collection Seigneur des Anneaux. Ouais, j'en ai ouvert quelques-unes. Pas tant que ça. Il m'avait envoyé un press kit et j'avais ouvert quelques boosters collector, je crois. Mais voilà. J'ai eu quelques. C'était le. Comment dire, c'était l'extension où ils avaient mis une. Ils avaient mis des fresques en fait. Des fois il y a 3, 4 ou 5 cartes qui se suivent. Et c'est sympa. C'est sympa, mais c'est vrai que. Étant pas très fan du Seigneur des Anneaux, c'est vrai que j'avais pas non plus eu la volonté de collectionner. Pleine alternative, très très belle. Aurée de Mornebois. Interprète de dysfonctionnement. Gommouche omnivore, pardon, je crois qu'on l'avait déjà celle-ci. Merci Kyusaka pour le Prime, merci beaucoup. Oh, la mythique qui fait plaisir avec le framing spécial. Massacre au croc de boucher 2, le retour. C'est plaisir ça. Petit hit là, ouais. Oh, gros hit également, deuxième mythique. Nico, lueur d'espoir, en foil en plus, avec le spectre là, vous voyez, qui est mis en évidence. Très, très, très joli. Et il y en a encore une en dessous? Non, je crois que c'est tout. Attendez, je vais sliver ça, bien sûr, le respect avant tout. Grand Hop. Sourire. Merci beaucoup, Ninja, Pikachu Ninja, pour le 13e mois. Merci beaucoup. Massacre au croc de boucher 2. C'est chouette. Hein. Très, 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 très chouette. Et ça, c'est quoi? Ah oui. Une des meilleures cartes de l'extension, le boucher. Ah ouais? Putain, trop cool. Trop cool, trop cool. Et ben on est là.
On est là, on représente. Booster Collector, c'est toujours un petit événement hein, d'en ouvrir. Je vous montre le double token. Il y a l'article complet sur le site Wizards, mais c'est un vrai mur de texte. Ok. Quelques-unes du Romney. Ah oui, il y a 15 ans. Ouais. Non. En fait, les illustrateurs se sont vachement diversifiés avec le temps. Ils sortent beaucoup plus d'extensions, donc beaucoup plus d'univers qui sont susceptibles de plaire. Et surtout, ils se sont vachement ouverts au marché de la collection, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que les full art, les alternatives et tout, les sets avec 400, 500 cartes, si tu veux, Master Set, tout ça, il n'y avait pas... Terrain alternatif. Balafreur invisible. Invincible, pardon. Dans le puits. Mandebrune ne livre jamais ses secrets sans faire payer un prix brutal. Je confirme. Kona bestiole de sauvetage, bah c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure, mais en... Enfin, la carte que je vous avais montrée, que j'avais en foil, donc là c'est la version classique. Ah. Une deuxième peut-être. Auré de Bourbefeu. Très très cool ça. Et une autre rare Borderless. Balafreur et Insane déjà joué dans plusieurs formats. Ok. Salut Betsy. Donc vous voyez, même dans les boosters collector à 30 euros, parce qu'un booster comme ça, il faut savoir que c'est à peu près entre 25 et 30 euros, selon où vous l'achetez. C'est moins cher si vous prenez le display complet, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que les mythiques ne sont même pas garantis. Hein. Ce qui est garanti, c'est le fait que toutes les cartes communes, peu communes, et tokens sont éthérins, sont foil. Et puis vous avez un certain nombre de cartes rares qui sont garanties. Mais crypte profanée et morgue. C'est trop marrant ça. Mais ouais, c'est même pas garanti. Gazebo bancal. Allez, la fracture foil, c'est maintenant. Conte de Tamio. Petit retour de Kamigawa. Oh, très 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 belle mythique. La mythique full art de Kian, mémoire corrompue. Ça fait plaisir ça. Hein. C'est joué les salles. Les terrains alternatifs, tu veux dire? Oui, c'est même les terrains, c'est même la base du gameplay de Magic en fait. Ça c'est très très nice. Très beau drop, aéronavire non identifié. Ligne Lay d'espoir. Et Givre de balustrade. Qu'est-ce que c'est que cette illustration à la con? Attends, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est la... Ah oui, d'accord, c'est une sorte d'escalier qui tombe en fait, c'est ça? Ah ouais, ok, ouais. C'est façon illusion. Just an illusion. J'ai bientôt plus de sleeve classique. Putain, faudrait que je fasse gaffe. La bête et l'escalier. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Avec des espèces de dents autour. C'est en fait l'escalier, c'est dans sa bouche, quoi. Sacré programme. Ça, je vais le sleeve également. Les decks qui jouent la victoire sur les 8 salles ouvertes différentes, bien chiant. Ah ouais. Sympa le token là. Primo l'indivisible. Sympa. Ça. Alors. C'est le but qu'on comprenne rien, je sais pas. Anthropède. Ah, c'est vrai que pour les collectionneurs, le fait d'avoir plein de cartes comme ça en foil, c'est quand même cool. Le problème, c'est quoi? C'est des boosters à 25 euros minimum. Donc c'est quand même pas donné. Frimas, qui est misanthrope. Gros, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Grouille pique.
babilleur. Ah, oh, le truc de cauchemar. Ah, c'est vraiment... ça, c'est une créature de Bloodborne, quoi. C'est littéralement une créature de Bloodborne. Bien dégueulasse. Donc ça, c'est une carte commandeur, en plus. Traqueuse d'entité. Celle-ci, on l'avait déjà eue. Curiosité perpétuelle. Ah, l'écorcheur d'esprit. Elles sont magnifiques, ces cartes-là, hein. Franchement. Grand écart de DA entre ce set et le précédent. Ah bah oui, c'était Bloomburrow, le dernier, c'est ça? Ah ouais, c'est sûr que... Voilà, bah c'était vraiment le set d'Halloween. Je sais pas s'ils comptent nous faire ça tous les ans, mais... Putain, les boosters collector, quoi. Quel plaisir. C'était sur Strixhaven et Phyrexian que j'en avais ouvert beaucoup. Je crois que j'avais ouvert l'équivalent de 3 displays collector, je pense. Soit... soit beaucoup d'argent. Mais c'était cool. Je suis très très fière de mon master set Phyrexian. Balafreur caquetant. 1000 pattes chercher Chine. Ça me rappelle une anecdote. Je vais pas vous la re-raconter parce qu'à chaque fois il y a des gens qui tremblent dans le chat. Le marais. Rip, chasseuse d'engeance. Ça fait très Alien 2, c'est marrant. Reine suspendue. Oh, suzerain de fausse crue. Théma un peu la mythique, là. Pas mal, hein. En dessous, on a le fourneau et le sauna. Et on a totalement une alternative mythique. Alors ça, ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est un très, 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 très gros drop. Ah, ça, c'est vraiment parmi les cartes les plus... ça fait très Pokémon, c'est vrai. Ça fait vraiment partie des cartes les plus rares de cette extension. D'ailleurs, elle est en anglais. J'avais même pas fait gaffe. Waouh ! Enduring Curiosity. Ouais, ouais, je crois que ça, ça fait vraiment partie des très, très, très gros drops de l'extension. Attendez, je vais tout de suite la Slivax. Étonnamment pas très bien centrée. C'est étonnant, hein, venant de Magic. Elle est un peu plus calée vers le haut que vers le bas. Ah, c'est nice, hein, surtout qu'on a eu une mythique avant. On a eu celle-ci. Ah, ça fait grave plaisir, ça. Ça fait plaise. Attendez, je vais changer le sleeve. En fracture foil, c'est 20... C'est, ah oui, c'est 120 euros. Ouais, bah alors les fractures foil, encore une fois, s'il faut acheter 10 displays collector pour en tomber, pour en trouver une seule, au secours, quoi. C'est un peu comme les cartes de baseball où dans une série, il n'y en a que 6 ou 7 qui sont dédicacées réellement par le joueur de baseball. Tu te dis, bah en fait, même si t'achètes 1000 displays, t'es pas sûr d'avoir la carte en question. Je veux dire, là, c'est quand même un certain niveau de gacha, quoi. That's nice. Il faut y croire. Ouais, ouais, bah il faut y croire. Et t'expliques ça à ton banquier après. Ah non, mais monsieur, c'est parce que j'y ai cru, c'est pour ça. Ouais, ouais. Attendez, il faut juste que je réponde. Ah, attendez, non, je vais faire ça sur mon portable, sinon ça va être merdique. L'ouverture Pokémon est passée. Ouais, désolé, ça quoi. C'est déjà passé, ouais. Ah
Hop, voilà, c'est bon. C'est ça, faut trouver un banquier fan de Magic et y croire, ce qui est quand même deux choses différentes. Alors attendez, je vais juste double sleeve ces belles, ces petites merveilles. Hop. Les mythiques, ça se respecte. Après, l'aspect vraiment des fractures foil, je me demande à quoi ça ressemble. Moi, j'avais beaucoup aimé les Oil Seek versions de Phyrexian. Après, il y en avait... De toute façon, maintenant, une extension sur deux, ils te mettent un nouveau type de foil. Quelques très beaux drops. Ça fait plaisir, tout ça. Et là, j'avais... Ah oui, voilà, on avait eu celle-ci aussi. Je vais mettre les mythiques de côté, comme ça, je vous les remontrerai une fois qu'on aura tout ouvert. Allez, c'est parti. Dommage que tu n'aimes pas Yu-Gi-Oh, c'est toute ma jeunesse. Ouais, bah c'est vrai que Yu-Gi-Oh, moi j'ai jamais accroché au chara-design. Mais bon, je comprends qu'on aime, hein, mais autant l'animé, je le trouvais sympa, bien que un peu trop sérieux. Mais ouais, je sais pas. J'ai jamais trop aimé. Putain, mais c'est horrible ce truc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mix entre ça, le clown démoniaque, là, et un piège façon saut. Ami Nounours. D'ailleurs, en parlant de sauts, enfin de trucs horrifiques, le let's play de Until Dawn a décidément beaucoup plu. J'ai vu que la partie 1 sur YouTube a été vue, je crois qu'elle a fait plus de 2000 vues, je crois, un truc comme ça. De même que vous avez l'air d'avoir bien aimé en VOD YouTube le replay de... de Mario Party avec MV et Mintos. Donc c'est très très cool. Je vais leur reproposer cette semaine, mais... En tout cas, demain, normalement, on fera du Mario Party avec Chloé et Mama Paprika. Je sais pas trop l'heure à laquelle on va faire ça, mais c'est prévu. Ils sont sortis des canalisations. Ah, c'est les Critters. Leur canal, j'en ai déjà ouvert, mais j'aime pas plus que ça. J'ai jamais été une grande fan de Disney. Quand on m'envoie un display, je l'ouvre, mais c'est vrai que de moi-même, j'en achèterai pas. Blessure grave, on l'avait déjà eu pas mal de fois. Vicky se sentait si lasse. La douleur commença à s'estomper. « Tu as été si courageuse, » dit la voix de sa grand-mère dans le lointain. « Mais le moment est venu pour toi de te reposer. » Toujours de sa crise d'ambiance et la traqueuse d'entité qu'on a déjà eue plusieurs fois. Les petites ambiances. Propose à Soutane, elle était deck de pas pouvoir venir la dernière fois. Bah Soutane, je lui avais proposé pourtant. Ah oui, non, elle était pas dispo, c'est ça. Bah ouais, pourquoi pas. Mais c'est juste que là, pour l'instant, on sait pas l'heure à laquelle on joue demain. Mais si elle est dispo, bien sûr, elle est la bienvenue. Ça va de soi. Ouais, je pense que... Oh, ça brille. Oh, c'est rare que ça brille autant. Merci pour les lives et les VOD. Alors peut-être. Oh, c'est tellement rare que ça brille autant chez Magic. Attends, me dis pas que c'est une fracture foil. Ah non non, mais attends. Ok, alors attends. Dans un monde, il y a un banquier fan de Magic. Attends, on va quand même jouer le jeu. On va ouvrir le booster, voilà, doucement. Ah, ça me dis pas que ça serait une fracture foil. OMG. Ok. On commence avec les petits framings un petit peu spéciaux, d'accord, c'est sympa ça. Effroi grandissant, mais c'est terrifiant. Moi je suis terrifié perso. Peur de l'infini, l'ourobros, on connaît. Le tatouage le plus fait dans le monde après le papillon. Sous la peau, d'accord. Ouais, ok. Une île, ok, d'accord. D'accord, ok. Enregistrement maudit. Ouais. Les murs d'écran, on connaît. À défaut d'avoir eu l'amphinobi alternatif. Si on a une fracture foil, ça serait déjà très très cool. Ok. Après, je sais pas, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein. Si ça se trouve, c'est un Pikachu VMAX. En vrai.
Ok, effroyeur apocalyptique, putain, la carte de ouf. Ça se trouve, c'est un token en vrai. Hein. Ça paraît très brillant pour un token quand même. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est ça, du coup? Alors moi, je ne connais pas, j'ai jamais vu de fracture. Ça serait ça, une fracture foil? Complètement insane. Il y avait une chance sur 100 de tomber dessus. Fracture foil mythique, Overlord of the Boiler Bilges. Ça se prononce comme ça s'écrit, c'est-à-dire de façon très chiante. OMG. OMG, OMG. Monstre dégueulasse. Ah ouais, tu m'étonnes. Quelqu'un disait dans le chat, t'inquiète que si t'en trouves une, tu la reconnaîtras. C'est vrai que la carte, elle est énervée de ouf, quoi. Ah, faut faire un clip. Ah, s'il y a un clip à faire aujourd'hui, c'est ça. S'il y a deux clips à faire, c'est le clip où je vois que ça brille en dessous du booster. Et après, c'est là où je le découvre. Mais je suis même pas forcément ouf, parce que je ne vois pas à quel point c'est rare, en fait. 1 sur 10, fracture foil, Japan Showcase card in English. 1 sur 10, 0,7%, mais par rapport à quoi? Ah ouais, le visuel est incroyable, et puis l'effet est taré, hein, franchement. Allez, je vous la montre quand même en zoomant. Plaisir des yeux, plaisir d'offrir. En gros, tu peux avoir une fracture japonaise, 11-10, 0,7% d'ouvrir la carte. Mais par rapport à un display ou par rapport à un booster? C'est genre moins d'un booster sur 100? Ou c'est en nombre de cartes? Par rapport à un booster. Ah oui, donc c'est moins d'un booster collector sur 100? Non mais c'est complètement fucked up. Enfin, je suis très contente d'en avoir une, hein, mais franchement, c'est fucked up, quoi. Oh la vache, ouais, okay. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ce type de pattern holographique, ça fait très Weiss Schwarz en fait, ça fait très TCG japonais, ça fait pas du tout Magic. Bon, est-ce qu'elle est bien centrée au moins? C'est ça la vraie question. Avait ouvert 12 booster box en stream, il en avait eu un seul. Ah ouais! Elle est même pas bien centrée. Hein. Elle est un petit peu décalée sur la droite. Vous voyez, la bordure droite est un peu plus petite que la gauche. On est sur un 60-40 en gros. Donc, ça serait même pas PSA 10 quoi. Je suis deg. Fais voir un peu là. Truc noir là, c'est quoi? Ah non, c'était une poussière. Okay. La coupe me paraît un peu schlack. Bizarre, elle me paraît bizarrement cutée en fait. Après, c'est plutôt clean. Hein. C'est plutôt très très clean. Oh, ça serait peut-être un PSA 9, mais je pense pas plus. Que ce soit au niveau du centrage ou le cut qui me paraît bizarre, ça serait du 8 ou 9, je pense. Un truc comme ça. Bon, c'est quand même très cool. Très 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 beau drop. Hein. C'est rare qu'on voit vraiment les indices de rareté les plus rares d'une extension. C'est assez foufou. C'est assez foufou. Hop. Et il m'en reste en plus, hein. Il me reste encore 4 boosters, plus le fameux box Nightmare. Là. Les cartes anglaises sont souvent coupées comme ça. Ah ouais, ok. Oui, c'est vrai que moi je compare par rapport à Pokémon, mais
Si par exemple là un nouveau booster. Ah non, oui, c'est vrai, t'as raison en fait. Ah oui, non, c'est vrai, en fait, toutes les cartes sont cut comme ça. Non, tu vois, celle-ci, elle est quand même plus ronde. C'est... Ah ouais, non, remarque. Ouais, je sais pas. Bon, c'est très très cool en tout cas. Chaîne d'or acrobatique. Merci Chat Noir et merci à Arkéode également pour le sub. Yes, un blues du dimanche contré par un livre de Dame Dame de Oh. Carte. Bon dimanche. Eh bah bon dimanche à toi aussi et merci pour le soutien. Vraie, vraie question, vrai débat. C'est, alors, ça sort un petit peu du débat TCG, Magic ou quoi, mais vrai débat, je reprends un peu le sub de Chat Noir à l'instant là. Est-ce que vous avez le blues du dimanche? Parce que c'est un truc, beaucoup de gens, je vous dirai après moi ce qu'il en est pour moi, mais c'est un truc qui affecte mine de rien beaucoup de gens, parce que comme c'est le dernier jour de congé, enfin c'est le jour souvent off avant la semaine de boulot, souvent les gens vivent assez mal leur dimanche à cause de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre. Moi, alors, personnellement, je l'ai très mal vécu, j'aimais pas du tout les dimanches pendant à peu près toute ma vie. Quand j'ai commencé à bosser en indé, forcément, bah, que quand c'est toi qui gères ton planning, ça va mieux, quoi. Mais même maintenant, ça m'arrive un peu de me souvenir les états dans lesquels j'étais dans des dimanches pendant un peu toute ma vie. Et des fois, je me dis, putain, j'ai le cafard et tout. Alors que je me dis, bah, en fait, non, en vrai, c'est cool, je choisis mes horaires, quoi. Si je veux pas bosser demain, je bosse pas demain. Bon, bah, d'un point de vue business, c'est pas ouf, mais. Mais je sais que moi j'ai des amis qui ont des tafs un petit peu plus classiques, on va dire, et je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement du dimanche, et d'autres qui ont toujours le blues, quoi. Là, je vois du oui, je vois du non. Globalement, oui. Ok, j'ai toujours détesté les dimanches. Ah ouais. J'avais même fait un créneau à une époque qui s'appelait le I Hate Sundays. Moi, je déteste les lundis. Ah ouais? Non, moi ça va, lundi j'aime bien. On fera un jour la tier liste des jours de la semaine si vous voulez. On sera tous d'accord pour dire que samedi c'est S-tier. Quand ton partenaire ne fout rien en ménage, oui. Ah ouais. Ok. Plus le métier est dur, plus. Ouais, mais pas forcément, parce que je sais qu'il y a des gens, c'est par exemple au niveau de la famille, tu vois. Par exemple, moi je connais des gens, bon bah voilà, qui étaient dans des familles où ça se passait pas très bien. Et je sais que tous les dimanches midi, par exemple, je pense à un pote notamment, je ne le citerai pas, mais tous les dimanches midi, ils mangeaient en famille et c'était genre famille nombreuse. C'est genre les repas à 15, 20 personnes, des trucs comme ça, tous les dimanches midi. Et du coup, il détestait le dimanche, mais pas parce que le lendemain il y avait école, mais parce que il allait passer tout l'après-midi avec sa famille à discuter de tout et de rien, et voilà quoi. Alors qu'une petite mythique. Sauveuse, sauveteuse vagabonde. Repas qui dure 3 heures, quelle horreur. Bah, en vrai, si tu t'entends bien avec ta famille ou avec les gens avec qui t'es, et que c'est une fois de temps en temps, pourquoi pas, tu vois. Tisseur à l'essaim, putain, elles sont trop belles ces cartes-là. Je pense que c'est mes indices de rareté préférés sur cette extension. Mais si c'est toutes les semaines, tu vois, ouais, c'est vrai que c'est relou. Ouais. Ah, joli, je crois qu'on l'avait déjà eu celle-ci. Annexe impie et chambre de rituel. Oh, magnifique! Le Planeswalker légendaire. C'est vrai qu'on n'en avait pas encore eu sur cette extension. Kaito, fléau des cauchemars. Mythique full art du Planeswalker légendaire Kaito. La classique. Magnifique. Magnifique en plus d'être probablement forte. Hein, les Planeswalkers légendaires sont toujours très recherchés. Hein. Top card de l'extension. Ah ouais? D'un point de vue jeu, sûrement, ouais. Magnifique. Double sleeved direct. Trop cool. Je vais aussi sleever la mythique qui est là. Référence à Hunter Hunter, ça? Non, je pense pas. Allez, il me reste encore 3 boosters collector. Dimanche midi dans ma belle famille, on est genre 7-8. J'avoue que je préfère rien faire que passer 12 ans à discuter de trucs inutiles. Par contre, de temps en temps, genre 3-4 fois par an, ça va. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, je suis d'accord, ouais. Ouais, je suis assez d'accord.
La 0,7%, elle est quintuple sleeved. Non, je l'ai double sleeved, mais après, je la mettrai sûrement en binder. Mais je la range pas tout de suite parce que je vais sûrement faire une ou deux photos pour Instagram. D'ailleurs, ça fait longtemps. Putain, à une époque, je prenais le temps de faire un post Instagram de mes meilleurs drops du mois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Faudrait que je refasse ça. Enfin, si ça vous intéresse. Après, je poste toujours les drops intéressants que j'ai eu en story. Mais c'est vrai que c'est toujours cool de vraiment prendre les meilleurs drops. Genre là, aujourd'hui, par exemple, je ferai sûrement une photo avec les starters AR que j'ai eu sur Pokémon. Et sûrement là, la fracture aussi. Ouais, c'est cool de tout revoir. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que... Bah, on en parlait justement avec Mila, qui m'aide un peu pour les réseaux... Enfin, qui m'aide beaucoup même pour les réseaux sociaux. Et je lui disais que putain, la fracture foil, quoi. Et en plus, la semaine dernière, on a eu une enchantée sur l'Orcana. Sympa. Sympa, les petits drops par-ci, par-là. Faudrait vraiment que je fasse un envoi. Je pense que là, je vais attendre que les fêtes de fin d'année passent. Et je ferai un test d'envoi chez Beckett et PSA en janvier 2025. J'ai prévu de faire ça. Et j'ai prévu de vous montrer toute la démarche derrière le truc, la préparation des colis et tout. Histoire de vraiment tester enfin à quoi ça ressemble de grader ses cartes soi-même. Donc je ferai, je pense, un colis pour Beckett avec du Weisschwartz et du One Piece. Et probablement un colis PSA pour du Magic et du Pokémon. Voilà. Toc.
Enquêteur de phénomènes. Ah, ça me fait trop rire. L'image est très très drôle. Avec ce style années 80 super kitsch là. Revenir à la normale. Ah, ah. En dessous, on a courage perpétuel et oh, le tisseur à l'essai qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci en foil. Eh bah, trop bien. Quoi de neuf Scooby-Doo? Ouais, c'est ça un peu, ouais. C'est un mix entre Scooby-Doo et Stranger Things. C'est quoi un Bounty Twitch? C'est une OPSP qui est reliée directement à Twitch. On fera ça tout à l'heure, juste après l'ouverture de cartes. En gros, c'est une heure d'OP sur un jeu là, qui s'appelle Fragpunk. Ok, donc là on a ouvert les 12 boosters collector, c'est déjà pas mal. On peut voir que la trace de café est toujours là, elle a juste été beurrée depuis la semaine dernière. C'est vraiment dégueulasse, c'est insupportable, vraiment je suis au bord... Au fait, vous avez vu ma nouvelle bague? Elle est belle, hein? Eh ben, voilà. Alors, donc tout ça, je vais les mettre... Alors attends, je vais prendre un séparateur. Ici... Et on va enfin voir à quoi ça ressemble, ce fameux box. Donc voilà, ça s'appelle le Nightmare Bundle. Duskmourn House of Horror. Donc voilà, c'est Morne Brune, mais en version anglaise. Et bah, du coup, c'est Wizard of the Coast qui m'a envoyé ça. Donc le box est assez marrant, parce que donc il y a ce côté vieille télévision, qui rappelle le framing des cartes spéciales. Et donc à l'intérieur, on retrouve donc deux boosters collector en anglais. Ah oui, ok, donc c'est des, il y a trois cartes un peu collector qu'il est possible d'avoir. Ok, des traditionnels foil full art Manor Land, un dice, enfin un dé un peu sympa, et on a aussi des boosters plus classiques. Plus machin. Bah écoutez, on va ouvrir ça. J'ai pas envie de le déceler en fait là. Attends, comment on pourrait l'ouvrir de façon J'ai pas envie de niquer ici, là. À la limite, je vais au cutter, je vais juste couper comme ça. Voilà. Ah oui, mais ça va être collé, non? Attends. Show me the way. Ah ouais, c'est collé. Attends. Non, le... Je trouve que le pack est très qualitatif. Ça fait plaisir parce que... ils font pas ce genre de coffret pour tous les... pour toutes les extensions. Il y a des alternatives uniques dans cette boîte, tu peux même pas les avoir dans les collectors. Ah ouais, putain. C'est bizarre, pourquoi ils ont pas sorti ça en France? Ah, j'ai l'impression que c'est mal barré, hein. Ah, je crois que c'est vraiment fait pour être ouvert. Sinon j'essaye de ce côté-là, peut-être. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hop là. Et voilà, l'appendicite est réalisé. Ah. Ah oui, mais sauf qu'en fait, c'est fait pour pas être ouvert dans ce sens-là, c'est ça? Ah, c'est chiant. Ok. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. Ok, je le refais ici. Ok, c'est bon. Alright. Doublement ruiné. Bah non, pas tant que ça, justement. J'ai juste coupé le scellage, mais en fait, moi, je voulais surtout laisser ça pour pouvoir le remettre en boîte après. Oh, ça rend trop bien, ça rend trop bien, ce truc. Ce qu'on appelle un effet lenticulaire, et c'est ce que Caillou a fait pour ses cartes Hatsune Miku. Ok, ah ouais, ils ont mis des posters et cette espèce de box. Ah, ok.
le dice, qui est plutôt un compteur de points, plutôt qu'un vrai D20. Ah, alors attends, est-ce que mon chat est heureux aujourd'hui? Tout de suite, la réponse. 6 sur 20. Ah ouais, vous êtes pas très joyeuse finalement. Je crois, hein. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, quoi. J'essaye, moi, de faire un contenu qualitatif, mais bon, c'est vrai que si vous vous emmerdez, je sais pas trop quoi vous dire, quoi. Voilà. Hop, comme ça, je remets la boîte comme ça. C'est rigolo. Bah écoutez, moi, j'essaye de faire du contenu qualitatif. Ok, attendez, je vous montre un peu les posters, si vous voulez. Ah ouais, ok, ouais. Ah ouais, façon... Ah, c'est très drôle. Ils ont mis des posters comme si, en reprenant des illustrations des cartes, comme si c'était des fausses affiches de films. Putain, ils ont vraiment... Ils ont vraiment vu leur délire. Ils sont allés au bout du délire, quoi. Attention. C'est pas mal. Arcane of Cruelty. Enter or attacks. Pas mal, pas mal. En vrai, c'est marrant. Hein. Ah oui, ça faisait très Evil Dead, ouais. Complètement, ouais. C'est parce qu'il y a ton stream que vous arrivez à monter jusqu'à 6. Ah ouais? Bon. Sinon, ça serait 0. C'est quoi? Gorio's Vengeance. Oh, l'affiche est tellement crédible. L'affiche est tellement crédible. Elles sont très très drôles, ces illustrations. Ah, c'est sympa. Hein. Ok. Allez, du coup, on va voir ce qu'il y a dans les petites boîtes. Donc, on a 6 boosters classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Ensuite, ça, c'est des cartes foil. Donc, c'est quoi? Ça va être des terrains, je pense. Ok. Là, c'est le booster spécial du Nightmare Bundle. Et 2 boosters collector en version anglaise. Bon, les boosters classiques, je vais les mettre de côté. Hop, c'est surtout ça qui nous intéresse. Terrain dans la pochette blanche. Oui, mais du coup, c'est les mêmes terrains que d'habitude. Enfin, c'est tous les terrains qu'on a déjà vus en moult exemplaires. Peut-être pas ouvrir ça. Plutôt envie d'ouvrir ça, moi, perso, hein. Salut le saucisse. Plaisir en rentrant du taf, petit dimanche de passer sur son stream. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, attendez. C'est quoi comme pack? Bah, c'est un Nightmare Bundle. Voilà, c'est un booster qui a uniquement dans les Nightmare Bundle qui sont disponibles que dans certains magasins en Angleterre. Oh, attends, j'ai l'impression que ça va être relou à ouvrir ça. Je vais essayer de pas abîmer le. Voilà, c'est pas... Nickel. Ok. Ah merde, il y a la pub. Il y a la pub en cours pour ceux qui sont pas sub. Alors attendez. Dans ce cas-là, je vais attendre un petit peu avant de l'ouvrir. De toute façon, le booster est ouvert. On va faire un booster collector le temps que la pub finisse. Comme ça, les non-sub verront le moment attendu. Pas sub, pas de pub. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le taux de remplissage. Mais là actuellement, il y a plusieurs subs qui, il y a plusieurs non-subs qui se tapent de la pub, donc autant attendre un petit peu. Je suis un individu simple, je vois une ouverture de booster, je clique. Eh bah tu fais bien. Surtout qu'on a eu des très très belles choses. Donc ça, c'est un booster collector, comme on en a ouvert tout à l'heure, mais en version anglaise. Est-ce qu'on va peut-être avoir... Ce qui est bien, c'est que les fractures, maintenant, on sait qu'on peut les reconnaître à 10 km. Le terrain... Come back wrong. Fear of missing out. Ah, le FOMO.
Le fameux FOMO, à savoir la technique que Magic the Gathering utilise pour vous faire acheter des cartes, hein, littéralement. Merci Kiwi Cactoon pour les 2 ans de sub. Merci beaucoup. The Holy Balloon Man. Oh, je crois qu'on l'avait pas. Putain, trop bien. Trop bien, trop bien. Ah, ces cartes-là, je suis vraiment très très fan. Et en dessous, on a Come Back Wrong, qu'on a déjà eu aussi tout à l'heure. Quelques collecteurs de Bloomborough, j'ai trouvé des illustrations. Ah mais Bloomborough était vraiment... c'est vraiment une des extensions les plus intéressantes sorties depuis... Enfin, en 2024, hein, tout court. De toute façon, 2024, moi, je trouve que c'est pas, ça n'a pas été un très bon cru Magic. En tout cas, d'un point de vue purement personnel. Ah merde, comme c'est un booster anglais, j'aurais bien aimé en garder un. Je l'ai mis où? Il est là. Hop. Et ouais, du coup... C'est vrai que toutes les séries qu'il y a eu jusqu'à cet été, j'ai pas été très fan. Bloomborough était intéressant, mais pas suffisamment pour me donner envie de collectionner. Et Duskmourne est pas mal. C'est vrai que je suis pas très film d'horreur, mais je trouve qu'ils se sont bien réappropriés les thématiques. Bonjour, tu es amatrice de cartes du coup. C'est vrai que là, c'est dur de dire le contraire. Hein, on va pas se mentir, Isbran. Hein. C'est vrai que là, j'ai un peu la main dans le sac, tu vois. C'est comme quelqu'un qui mange une grosse glace et tu lui dis « Ah, alors comme ça, t'aimes les glaces ?» Bah du coup, oui, parce qu'il est en train d'en manger une, quoi. C'est... Non, j'aime bien les bouts de carton. Ah, ça n'a rien à voir, attention. Effectivement, j'aime bien collectionner des cartes, ouais. C'est un peu mon truc. C'est un de mes trucs. Oh, Nico Light of Hope, nouvelle mythique avec les cartes spectre. Trop bien. Non, on m'a forcé. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être une collaboration commerciale et je pourrais en avoir rien à foutre. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, en l'occurrence, j'aime bien ça, ouais. Ah, et deuxième mythique. Bah, décidément, on a eu beaucoup de mythiques. Hein. Trop cool. Bah, je pense qu'on a eu quasiment une quinzaine de mythiques. Hein. J'allais dire de mystiques. Eh ben, c'est bien chouette. Quelle extension que tu ouvres? Ouais, c'est Duskmourne, donc c'est... en français, c'est Morne-Brune. Et non pas Morne-Burne. Putain, j'étais à deux doigts de le dire, quoi. Au secours. Duskmourne. House of Horror, c'était ça, là. Là, le booster que je vais vous montrer, c'est ça, maintenant que la pub est finie. Alors, c'est parti. Donc il est déjà ouvert, hein, normalement. Il est où? Il est là. Donc là, normalement, c'est une carte qu'il n'y a que dans ces boosters-là, qu'on ne peut pas avoir dans les boosters collector. Attention. Ah non, attends, il y en a plusieurs? Je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, attends. Si on ne peut pas l'abîmer... Non, il y en a deux. Il y a deux cartes. Alors, oh waouh! Ah ouais, ok. Donc ça, c'est le fameux poster qu'on a vu tout à l'heure. Archon of Cruelty. Oui, donc là, ça fait très visuel qu'on retrouve dans les Secret Lair Magic, ça. Ah oui, avec le petit P de bundle en bas à gauche. Donc ça, c'est une carte qui est vraiment exclusive à ça. Ok. Et en dessous, damn, damn, damn live, c'est moi, regardez. As their bodies crumbled to ash, the cultist's terrible smiles only grew wider. Mouah. Très, très cool, hein. Donc c'est vrai que les deux illustrations, ce sont les deux qui étaient sur le poster. C'est vrai que celle-ci, elle est oufissime. Oufissime. Je vais sliver ça également. Alors, combien de mythiques on a eu? Moi, vu de nez, je dirais qu'on en a une bonne quinzaine. Aucun doublon en plus, donc ça fait plaisir.
ça fait plaisir. Alors, petite quinzaine, moi je dirais. Ouais. En combien de boosters? En booster collector, donc on en a ouvert 12 plus 2, donc 14. 14 boosters collector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah écoutez, on a eu 13 mythiques, dont une fracture de foil. Sur 14 boosters. Donc ça fait un ratio quasiment de 1. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Classe, hein. Classe, classe, classe. C'est vrai qu'on a eu celle-ci. Je pense que c'est les deux hits les plus ouf. Hein. L'Overlord en Fractured, c'est vrai que c'était assez inattendu. Ah ben Nico, on l'a eu en double, c'est juste qu'on l'a en... Celle-ci aussi apparemment, qui est très recherchée pour les joueurs. Une boîte de booster. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'une boîte plus deux boosters en plus. Avec voilà, effectivement le méga drop du jour, hein, c'est cet Overlord Fractured qui, je pense, ira en gradation. Hein, je pense que je l'enverrai se faire grader celui-là. Mythhook 2, ouais, la carte est forte. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Celle-ci est très cool aussi. Hein. Ça part sur un achat de mon côté. Bah, n'oubliez pas que vous avez 5% de remise avec le code sur la boutique Relique. Hein. Vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à passer par eux. C'est aussi avec les achats que vous faites sur cette boutique que eux, bah, du coup, que j'ai ce partenariat avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à les soutenir eux parce que c'est une boutique indépendante et ils ont des super produits. Ils sont très sérieux dans les ventes et tout, il n'y a aucun souci. C'est full legit, bien sûr, je le précise même pas. Et en plus, ça soutient le partenariat, donc c'est vraiment cool. Après, on a ça. Est-ce qu'il est en dehors de la France? C'est une très bonne question. Quand tu dis en dehors de la France, c'est Nouvelle-Zélande ou c'est Allemagne? Ça, c'est pas pareil, quoi. Le code développe combien de temps? Tout 2024, a priori. Hein. En Irlande? Oh, je pense qu'il y a moyen. Tant que c'est en Europe, je pense que c'est bon, hein. Au pire, tu leur envoies un petit message. D'habitude, il y a quelqu'un de Relique qui est dans le chat. Là, aujourd'hui, je crois pas qu'il soit là. Mais sinon, envoie-leur un petit message. Dis-leur que tu viens de ma part, mais je pense que c'est bon. Hein. Petite info pour toi, la Glimmer Foil, donc ta curiosité bleue en foil full art, comme tu as eu des mythiques. Alors que la version normale est juste rare. Ah ouais, ok, ouais. La mythique est en... Ah ouais, d'accord, la mythique est foil et en classique, c'est une rare. Ouais, c'est marrant, ça. Est-ce qu'il livre sur la Lune? Tout à fait. Frais de port estimé, 1 million d'euros. C'est pas donné. On va pas se mentir. Alors, attends, je vais mettre dans les mythiques. Ouais, je voulais vous montrer aussi les cartes spectres là, enfin moi je les appelle les spectres mais je sais pas du tout combien, enfin comment, c'est quoi leur vrai nom. Mais merci Zodiac, incroyable, Zodiac 86 pour le sub T3, merci beaucoup pour ça. Les deux Nico dont la foil. Ah c'est cool parce que du coup je vais pouvoir bien compléter ma collègue, pareil celle-là je l'ai eu en foil et en classique. Ah, c'est trop bien. J'adore ces cartes-là. Hein. Vraiment, je les trouve magnifiques. La semaine dernière, on avait eu celle-ci également. Ah bah, celle-ci. Attends. Hop. Et celle-là. Voilà. Joyeux fabricant de ballons, du coup. Ah oui, voilà, c'est lui en version française et anglaise. Et Kona. Kona, je l'avais en foil et là, je l'ai maintenant aussi en classique. Voilà, c'est ça.
J'en ai combien de différentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai 8. Trop bien! Et ben voilà pour cette ouverture magique, j'espère que ça vous a plu. Quelques beaux items, quelques belles cartes. Hein. Moult cartes mythiques, donc ça c'est vraiment chouette. On a eu la luck incroyable de tomber sur une fracture en fait, donc ça c'est vraiment une petite dinguerie, on va pas se mentir. Surtout vu le taux de drop délirant qui est pire qu'une carte manga One Piece, hein. Et franchement faut le faire. On a eu aussi cette très très belle alternative. Et puis bien sûr la carte bundle. Façon affiche de film. Ça fait vraiment penser à ce qui sortent dans les Secret Lairs. Ça. Ils vendent des vieux produits, genre des classeurs tous Phyrexian. Oh, je pense que ça doit dépendre des stocks. Je pense qu'il faut leur demander en vrai. Les mythiques qui sont là. Allez, je vais mettre ça ici. Je ferai une petite photo, bien sûr, pour les réseaux sociaux. Et ben voilà, pour l'ouverture magique. Ce qui veut dire qu'on peut passer sur du One Piece, hein, bien sûr. Ça, je vais mettre ça là. Même la petite boîte de deck, là, je la trouve jolie, en vrai. Oh, merci beaucoup, Klemovic. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Oh waouh, c'est très inattendu. Merci beaucoup, bienvenue, bonjour. Enchanté, moi c'est Damdam Live. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, d'habitude je stream du jeu vidéo, mais tous les dimanches on ouvre des cartes de collection. Et là on vient d'ouvrir, bah attendez, je peux vous remontrer si vous voulez. On vient d'ouvrir donc des cartes Magic avec quelques drops assez foufous sur lesquels on est tombé. Où sont les cartes? Je les ai déjà perdues, bien sûr. Ah si, elles sont là. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil en tout cas. Bienvenue, installez-vous, la petite dédicace bien sûr. Donc ouais, là c'est une ouverture, enfin c'était une ouverture donc de Magic the Gathering et c'est une extension qui est sortie avec beaucoup de mythes et légendes autour de films d'horreur qui ont été un peu reprises avec les artistes de Magic. Et voilà, et on est tombé notamment sur cette carte d'Overlord Fractured, donc qui est l'indice de rareté le plus balèze qu'il était possible d'avoir. Voilà, voilà. Et sinon, oui, sinon on a tout à l'heure on a ouvert un petit peu de Pokémon et on était sur le point de switcher sur du One Piece. Voilà, voilà. Je sais pas du tout si Klemovic est fan de ce genre de truc. Je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a bien un truc que j'imagine pas Klemovic faire sur Twitch, ça serait bien des ouvertures de cartes de collection. Quoique, en vrai, c'est intemporel. Hein. Au contraire. Ah ouais? Ah non, mais peut-être que je me trompe. Hein. Sérieux? Ici, il disait qu'il aimait bien. Ah ouais? Bah merde alors, mais il en fait jamais sur Twitch. Hein. Il collectionne sur Snap Marvel. Ah ouais, ok. Bah, il y a des séries Marvel. C'est Caillou, le TCG chinois, qui a sorti une collab avec Marvel. Après, Marvel TCG, ils ont sorti des collabs également avec le fabricant japonais Vice Schwartz. Et des fois, tu as des séries officielles aussi qui sortent, mais de façon beaucoup plus sporadique. Donc, ah, c'est marrant, ça. Ah là là, Klemovic qui est dans le card game, c'est fou, ça. Il a beaucoup joué à Magic en raid. Ah ouais, c'est marrant. Grand fan de jeux de cartes à voir pour Magic. Ah, c'est fou. Il y a une collab Magic Marvel qui arrive. Ouais, tout à fait, mais j'ai pas encore vu de spoiler, donc je me prononcerai pas. Mais ouais, tout à